Au fait, je vous ai jamais demandé, mais pourquoi la psychomote? Bien pour moi, la psychomotricité, c'est un métier qui propose un champ d'action très vaste, qui regroupe plusieurs domaines différents et qui s'intéresse à chaque population. Et chaque personne percevoir des soins spécifiques et adaptés à sa situation. Et c'est aussi un métier médiateur qui prend en compte plusieurs facteurs comme le physique, le psychique ou le psycho-affectif, ce qui n'est pas le cas dans toutes les professions paramédicales. J'ai toujours voulu pratiquer un métier dans la prise en charge des personnes et j'ai commencé par m'orienter vers un métier d'infirmier où je me suis très vite rendu compte que le soin qu'on pratiquait en tant qu'infirmier n'était pas celui que je voulais réaliser auprès des patients. Et donc après plusieurs recherches, j'ai découvert la psychomotricité qui me parle beaucoup plus puisqu'on prend le patient en charge dans sa globalité. Alors moi, j'ai toujours été intéressée par les métiers qui avaient une approche corporelle. Du coup, j'ai choisi les métiers de la danse en premier lieu. Et puis, petit à petit, à force d'enseigner, j'ai eu besoin de trouver des solutions aux problèmes que je rencontrais chez mes élèves. Donc, je me suis renseignée sur quelle approche thérapeutique je pouvais m'axer. Donc, voilà pourquoi j'en suis en école de psychomotricité aujourd'hui. Après 5 ans en école de commerce et beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, j'ai décidé de me réorienter vers un métier qui avait plus de sens pour moi. J'avais envie de mettre ma créativité, mon dynamisme, mon envie d'aider au service de l'autre. Et tout en développant des connaissances scientifiques qui m'intéressent beaucoup et plein de techniques au travers de 3 ans avec un DE de psychomotricien qui me paraissait être parfait.